His wife. C'est là qu'il te faisait souffrir. And said, really, this is what me making him suffer. He looked at his children. Mais je vous ai abandonné pourquoi? And he said, why I abandon you guys? Ton esprit sort de la prison. Your spirit will get out from the prison. Ton âme sort de la prison. Your soul will get out of the prison. Et tu deviens libre. And you will be free. Tu connaîtras le véritable Dieu. And you will know the really God. Et tu le serviras dans la crainte. And you will serve him without word. Acclamons pour le Seigneur. Let's clap our hands. Deuxième impact dans la vie d'une personne. The second impact is que la délivrance amène. The deliverance bring. C'est la connaissance de soi-même. The knowing of yourself. C'est sa propre conscience qui retourne. Your own mind comes back. Là, je vais dans le livre de Marc, chapitre 5, là où nous avons lu hier. And now I'm going back to the book of Mark 5 that we read yesterday. La Bible dit, the Bible said, cet homme qui était possédé, that man was possessed, soit là pour bien suivre. Okay. Cet homme qui était possédé, that man was possessed, n'était pas né possédé. He wasn't born possessed. Comprenez bien. And listen, il n'était pas né possédé. He wasn't born possessed. Mais il était devenu possédé. But he became possessed. Pourquoi? Why? Il y a des portes qui s'ouvrent. Because there were the door open. Par la famille. From the family. Au moyen du sang. From the blood. Soit de par son propre parcours. Or whatever he was going through. Tu prends les femmes d'autres. You get somebody's wife. Les hommes d'autrui. Somebody's husband. Tu es spécialiste dans les mensonges. You are very special in lying. Tu peux ouvrir les portes toi. You will open the door yourself. Il y en a qui n'étaient pas nés maudits. There's some people who were not born cursed. Mais qui s'étaient devenus maudits. But they became cursed. Parce qu'il a volé les biens d'autrui. Because they steal somebody's belong. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Marc me dit, la personne était devenue possédée. Marc said that man became possessed. Et la première chose. And the first thing. La personne a quitté la maison. He left the house. Elle est partie. And he went. Direction. C'est pire. When he went to the pill. Fait une personne possédée peut croire que je dirige bien ma vie alors que tu es en train de partir tout droit. Fait le sépulcre, fait la mort, fait l'enfer. When somebody is possessed, he can go straight to hell and go do something wrong. Les démons ne te laisseront jamais à ton adresse habituelle. The demon will not leave you to your right address. Les démons ne te laisseront jamais avec la conscience tranquille. Those demons will not leave you alone with your alors cette personne, la première chose. And that man, the first thing, elle a fui la maison. He left his house. J'entends quelqu'un dire amen. Can somebody amen. Say amen. Vous avez quelqu'un qui est possédé, la première chose, j'aime toujours dire aux enfants de Dieu, les premiers démons que quelqu'un qui veut connaître le péché va avoir, c'est les mensonges. The first thing when somebody is possessed is lie. Vous savez comment? You know why? Quand on va l'attraper. When they call him, qu'il soit à mes yeux de mentir. He can lie. J'ai dit le numéro d'une femme qui t'appelle. And I see a woman number calling me. Ah, tu ne la connais pas, c'est ma nièce. And you say, oh, you don't know, that's my niece. Ah, excusez-moi. Oh, excuse me. Pourtant, tu ne connais pas tous les membres de ma femme. You don't know all my family members. Une personne qui doit bien voler doit maîtriser les mensonges. Whoever who can steal, he knows how to lie. Quand on va l'attraper, qu'il soit à mesure de mentir. When they call him, so he knows how to lie. Voilà pourquoi dans les commandements spirituels, nous parlons des démons majeurs et des démons mineurs. That's why we all in deliverance we always talk about those little demons. Il y a des péchés qui occasionnent d'autres péchés. There's some of the sins that we make you make other sin. Celui qui vit dans l'adultère dans son foyer, les mensonges ne manquera jamais. If you live in adultery, you will be in the lie. Quand la femme va te poser la question, ça c'est la photo de qui? When your wife asks you a question, whose picture is this? On travaille avec elle. Oh, I work with her, my co-worker. Et des fois tu t'énerves. And sometimes you get mad. Parce que celui qui n'a pas d'argument, la première chose, il s'énerve. Because when you don't know nothing to mais say, they always get mad. But when you know what to say, c'est comme ça que vous voyez beaucoup de papas s'énerver. That's why you always see men get mad. Par manque de raison. Because they don't have reason.
Boeri fez attention. Oh, be careful, brother. Boeri. Boeri. Côte d'Ivoire. Ivory Coast. Tu peux même créer une histoire pour sortir. He can even make a story to get out. Voilà pourquoi je n'aime pas que mes enfants suivent ces garçons, c'est un spécialiste. That's why I don't like my kid to watch him because he's a special in life. Un voleur doit d'abord maîtriser les mensonges. And somebody who still know how to make a lie. Une fille qui commence à déconner doit maîtriser les mensonges, papa. That a woman who's trying to go in a different way, she knows how to lie. Je l'ai vu comme ça au Congo. I see that in Congo. Elle est dans tous les pays. He stay in all whatever they are. When somebody does en réalité, elle a commencé quelque part. She stands somewhere else. Mais elle doit passer par là. But she has to pass by. Pour se couvrir. Just to cover herself. J'attends quelqu'un dire amen. Somebody say amen. Une fois délivré. Once you deliver, vous allez vous connaître. You will know yourself. Qui vous êtes. Who you are. Vous dormez où? Where do you sleep? Vous êtes ici aux États-Unis. You are here in the United States. Mais toutes les nuits, vous êtes en Afrique. But every night you are back home in Africa. Nous sommes nombreux ici qui ont des adresses. There's a lot of you here who have two addresses. Une adresse le jour. One address for the day. Une adresse la nuit. And one address for the night. Je bénis le Seigneur quand j'étais à Austin. I blessed God when I was in Austin. Je crois que la maman doit être elle, mais pas la maman Riette. Okay. J'ai vu une dame qui m'a poursuivi, elle est camerounaise. Elle a dit, pasteur, j'ai fait 18 ans aux États-Unis. C'est la première fois que je puisse rêver que je suis aux États-Unis. C'est après la prière que nous avons faite. She saw a woman in Austin and she said, I've been here for 18 years. This is my first time to have a dream that I've been here. Une personne délivrée va faire attention à ce son. When somebody you deliver, you really have to be careful on your dream. Où je vis? Where do you live? Qu'est-ce que je fais? What do you do? La vie, ce n'est pas celle que vous voyez là. Life non. Is not what you see here now. La Bible dit en réalité dans l'homme c'est l'esprit. The Bible said in truth human being is. Une fois que l'esprit ton âme est capturé, ton corps va suivre là où est ton âme. Spirit and soul is captured, your body will follow where you capture. C'est comme ça que le monsieur a quitté la maison. That's what happened. That man left his house. Il est parti. He went. J'attends quelqu'un dire amen. And somebody say amen. A essayé de le maîtriser humainement parlant. And they did try to break him down. Une personne possédée n'écoute jamais les conseils. When somebody is possessed, he doesn't listen to nobody. Ne passez pas le temps. Don't waste your time. Tu mets ton mari là-bas. You put your husband tu there. Tu parles. You talk. Une personne possédée, les oreilles ne sont pas là. Those people are destroyed. They don't listen what you say. And you said, all this time I was talking, who told you that he was listening? I love Congolese people. Amen. Amen. You know what they were saying? When they love a woman, I will drag her. C'est-à-dire qu'il ajoute quoi? L'oreille. That means what? He's gonna put one. Il y en a qui ont 10 oreilles comme ça. And some have 10 ears on them. Chaque homme vient mettre l'oreille. Everyone comes in. Mettre one. L'oreille. The next one. Prince mettre l'oreille. The one put one. Voilà pourquoi la Bible a dit que celui qui a des oreilles pour entendre. That's why the Bible said if you have your ear to listen. C'est-à-dire il y a des oreilles pour ne pas. That means that we have fear that doesn't. Quand tu vois que l'homme est là avec les oreilles, il n'est pas là. When you see a man with ears but he's not there, ta femme est there. You talk to your wife, tu te dis, cette fois-ci, j'ai touché son cœur. And she say, oh, this time he's gonna listen. Après deux jours. After 2 days. C'est comme si ça entrait ici. It's like it came ça sortait là-bas. At this side. On ne trouve jamais une solution spirituelle avec des méthodes humaines. You cannot find a spiritual solution with human. Vous allez le vivre quand nous serons à prier ici. You will see when we're gonna start praying here. Quand vous suivrez les enseignements. When you're gonna follow the old preaching. Vous comprendrez. You will understand. Que quand vous n'êtes pas bien enseigné. But that when you are not. Vous deviendrez ce qu'on vous enseigne. You will be what they're gonna teach you. J'attends quelqu'un dire amen. Somebody say amen. La Bible dit l'homme a fou. The
The Bible said that man the family did try to find a solution for him. Pour des problèmes spirituels. For other spiritual problems. Si papa est possédé, if your papa is possessed, même si tu disais tous les jours je serai à ses pieds, even you said I'm gonna be on your feet, même si tu lui parlais mille fois, even you talk 1,000 times, je ne parle pas de vous, je donne l'exemple. I'm not talking to you, I'm just giving an example. Si je donne l'exemple à une autre personne, on va dire pourquoi seulement moi. If I give example to somebody else, then we say why just me. Quelqu'un dit fort, amen. If somebody say amen. Une personne possédée. Somebody that is possessed. You can even give him all the money. She will deceive you. Because his arm is not with him. I love what the Bible said. Where is your richness? C'est là où sera? Your heart. Okay. Et là où est ton âme? Where is your soul? C'est là où ce sera quoi? That's where you will be. Beaucoup de gens qui passent le temps, un enfant sorcier, vous les tapez. Sans jouer. It looks like a lot of people waste their time for the witch, the child. Entre you are wasting your time. Go l'esprit lutte contre l'esprit. If the spirit fight out against spirit. Et la Bible dit les membres de la famille ont fait tout pour les détruire. And the Bible did try. The Bible said the family tried really hard to put it. Beaucoup de femmes ont maîtrisé les mariages par la prière. A lot of women make the marriage. Beaucoup d'hommes ont maîtrisé le travail par la prière. There's a lot of men who maintain their job from prayer. J'attends quelqu'un dire amen. Can somebody say amen? La personne ou peut les chaînes. There's not nobody can cut the chain. On les liait. They were attacking him and cutting them off. Tu ne maîtriseras jamais. You will not do that. Ton enfant possédé. When your child is. Tu ne maîtriseras pas par les cadeaux. You will not give him. Tu ne maîtriseras jamais ta femme possédée par les cadeaux. Tu ne maîtriseras jamais les membres de ta famille possédée par les cadeaux. Les cadeaux ne disent rien. The gift is not. Entre en prière. Go and pray. Prends l'activation spirituelle. Combat l'esprit. Car c'est un combat d'esprit. It's a fight of spiritual. Parmi les lions, il ne faut pas se comporter comme tu es une brebis. On va t'aider. When you're a lion, when you go as a lamb, they're gonna broke you. J'attends quelqu'un dire amen. And somebody say amen. Voilà pourquoi ils les avaient échappés. That's why they ran away. Nous sommes aux États-Unis. We are here in the U.S. Ne maîtrisons pas les enfants par l'amour humain. Don't try to give them those. Love. Pray pour tes enfants. Pray for your children. Il y a une maman qui m'a dit, j'ai pleuré du fond de mon cœur. There was a woman who was praying, man, I was son crying. Son enfant est allé au collège. Her child went les to parents college. L'accompagnaient avec joie. And his parents went with him with happiness. Papa et maman ont fait plusieurs jours là-bas par rapport à leur enfant qui était parti au collège. They went there and had too many days because the child went to college. Ils sont rentrés. And they came back. Après un mois. After 1 month, l'enfant retourne à la maison. The child came back et dit à ses parents, and told his parents, vous m'avez trompé. You guys lied to me. Dieu n'existe pas. There's no God. Je ne prierai jamais. I will not pray again. A su Bible à boîte. He threw the Bible and threw that away. Frères et sœurs. Brothers and sisters. Le problème spirituel. The problem spiritual. On ne le maîtrise pas humainement. You cannot put it down with your hand. J'attends quelqu'un dire amen. Can somebody say amen? La personne les a échappés. And he ran away. Les dépenses spirituelles, on ne peut pas les maîtriser avec l'intelligence humaine. All the expenses spiritual, you cannot put that together with your life. Si tu es possédé, if you are possessed, tu es contrôlé ailleurs. You are. Tu n'as pas le contrôle de ta vie. You don't have control yourself. Et maintenant. Now. Il peut y avoir des dépenses avec ton intelligence, tu ne seras pas dans ça. There will be some of the expenses. You cannot do that on your own. Mais quand tu entres dans le domaine spirituel, but when you go to spiritual, tu maîtrises le tout. You will get everything. Tu bloques la porte. You will close the door. Les gens qui tombent malades quand tu as l'argent ne tomberont pas malades. All those people who are getting sick when you got money, they will not get sick. Parce que l'ennemi peut jouer avec toi. Because the enemy can play with you. Il y a des dépenses qui sont normales. And those expenses. À chaque fois tu as l'argent, l'enfant tombe malade. Every time you have. À chaque fois tu as l'argent, il y a un problème à la vie. Tu regardes, ce sont des problèmes vrais. Ne croyez pas comme c'est vrai, ça veut dire que c'est la vérité. Non! Non, don't believe in that. Le diable est capable de formater des problèmes qui paraissent vrais, humainement parlant, mais c'est la piste de l'ennemi pour vous détruire. To make something that
people. Et quand il parle de son peuple, il s'agit de And when he said to his people, who is the Christian? The Christian. And the Christian is driven by that knowledge. L'amour exagéré peut être la piste du diable pour détruire. When you love too much can destroy you. Quelqu'un te détruit quand tu es là. Somebody is destroying you, you dead. Beloved. Quand le jour de la mort de Jésus n'était pas encore arrivé, la Bible dit Jésus est esclave aussi. And when the death that Jesus they came and attacked him, he ran. The Bible said he ran. The Bible said he ran. Why? Because his time, this day wasn't there yet. Amen. And somebody say amen. On ne peut jamais maîtriser les sentiments démoniaques par les conseils. If when you possess you, we go back to somebody trying to destroy you. And the first time you have a bad experience, you will say, mon frère. The second time you say, my brother, you're going to die. You have to know who's Cain. To take all the disposition you need. J'attends quelqu'un dire amen. And somebody say amen. Brother Serge, why you sans are saying effet. In Jesus' name. Hallelujah. Amen. Et la Bible dit que la personne était possédée et la fuit. On cherchait à la maîtriser, mais on ne pouvait pas. The Bible said that man was possessed, he was trying to run away. They did try really hard to put him to God, but they cannot. Un homme qui est possédé d'un esprit d'adultère, même si tu lui donnais le foufou du premier au 30. I was telling a woman that if a man is possessed, even you give him foufou from the beginning of the past to the end. Je ne dis pas maman de ne pas faire ça. I'm not telling a woman not to do that. You have to do that. You have to do that. That's your hormone. J'attends quelqu'un dire amen. And somebody say amen. La délivrance, c'est spirituel. Deliverance is spiritual. Entre dans la dimension spirituelle. God really fought in. Entre dans la dimension spirituelle. God really, really far. J'attends quelqu'un qui très fort. Amen. And somebody say amen. Je vais prendre 10 minutes en clôture. Je prie pour toi. I'm going to take 10 minutes. We're going to. Je vais lancer ce témoignage. I'm giving you this testimony. J'étais en Afrique, ma femme connaît. It was in Africa, my wife knows. Il y avait une femme. It was a woman. Son mari était un véritable soulard. His man was a drunk man. Et vous comprenez que ceux qui sont soulards, ils sont automatiquement des adultères. And you know that those who would get drunk, they always have adultery. Maintenant, il revenait à 2h, 3h. And he was coming at like 2 o'clock in the morning. La femme a parlé. The wife did. La femme a crié. She la femme est allée tout faire. She did everything she could. L'homme n'a pas changé. He didn't change. La femme s'est dit, tout le soir, aux hommes, je n'ouvrirai même pas la porte. And the wife said, this time when you come back. Il venait à 2h, il fut donc. He was coming at 2 o'clock and knocked at the door. Et ses enfants vont ouvrir. And he said, when les enfants commençaient à servir leur père. And then the father, the children, maman fâchée. And their mother was elle a quitté la chambre. She said, elle croyait résoudre un problème spirituel humainement parlant. She was trying to do that in physically. La colère n'arrange rien. And man doesn't fix anything. J'attends quelqu'un dire amen. And somebody say amen. Elle est allée voir son pasteur. One day she went and see her pastor. Elle dit, ça ne va pas. He said nothing's le going right. Dit, maintenant je vais t'aider. And the pastor said, we help you. Can you lift your hand and say, you know what the pastor did? He looked at the wife. He said, woman, today when your husband comes, you're the one going to open. He said, no. Papa, c'est un criminel. Oh, that's a crime. Tu as besoin de la solution, tu n'en as pas besoin. And the pastor asked him, do you want a solution or not? Vous croyez que quand vous venez chez nous, on va vous dire ce que vous voulez? Do you think when you come to us, we're gonna tell you what you want? Moi, je suis ce que Dieu me dit de me dire. I want to do what God wants me to do. J'attends quelqu'un dire fort amen. Can somebody say amen? Papa, le pasteur dit à la femme, quand l'homme reviendra. The pastor told that woman, when your husband come back. Tu ouvres la porte. Open the door. Tu l'embrasses. And give him a hug. Me dit pasteur. He said, pastor. Est-ce que tu réalises ce que tu dis? Do you know what you're talking about? C'est toi déjà mis dehors les enfants. Just,
he had children outside. Parce que si tu veux être délivré, he said, if you want to be delivered, ta famille soit délivrée, if you want your family, on n'utilise jamais les armes de Goliath. You cannot use those Goliath. David doit utiliser les armes de complètes des armes de Goliath. You have to be between exchange. Aujourd'hui, tu sais ce qu'il va faire. He said, you know what you're gonna do? You're gonna hug him. Tu vas le baiser. And you're gonna kiss him. Tu vas sortir de belles paroles. And you're gonna talk the good words. Chérie, je t'aime. Oh, I love you, honey. Mon amour, I love you. I love you, baby. You are my bonbon. You are everything. You are my chocolate. You are. You are. J'entends quelqu'un dire amen. Somebody say amen. Maintenant, il dit quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? What he said? Tu vas servir toi-même ton mari. You're gonna serve your husband yourself. Ah, l'homme de Dieu quand il est orienté. A man of God when they give him a direction. Sometimes you will think like he's destroying you. Il y a des hommes avec qui j'ai agi moi avec fermeté. There's some of the men that I did on my. Au début, ils ont même dit que c'est ma vie. Après tout, from the beginning, he said that's my life. Ta vie n'est pas ta vie, c'est ma vie aussi parce que tu es enfant de Dieu. Moi, je suis enfant de Dieu. Nous avons les mêmes pères. Je ne laisserai jamais mourir. Je te dirai la vérité et la vérité te libérera. Comme tout enfant de Dieu, même si vous dites non à la parole, mais vous allez l'obéir même en pleurant. Even you say no, you will do it anyway. J'attends quelqu'un dire amen. And somebody say amen. Alors la femme rentre. And that woman went back. 2 heures du matin. At 2 o'clock in the morning. Elle attend l'homme qui vient. His husband is coming. Il frappe à la porte. And he knocked at the door. Il savait que c'est l'enfant qui allait venir. He know that his children are coming. And he see his wife. Attends, chérie. He said, j'arrive, mon mari. I'm coming. J'attends ou j'attends. He said, is that right or wrong? Frappe encore. And he now. Mon amour, attends. He said, my love, I'm coming. Wait. C'est pas possible. He said, it's not possible. La femme ouvre la porte. And the wife opened the door. Elle embrasse son mari. And he hardly has. Elle veut le baiser. And he want to kiss him. And then the husband push her away. Get away from me. La femme dit non, papa. He said no. Tu vas garder. God protect you. Nombreux des hommes sont sortis comme there's ça. There's a lot of men went out. Ils ne sont pas revenus. They didn't come back. In mais life. Toi, le Seigneur t'a aidé. But God protect you. L'homme regarde. And the husband look at her. J'attends quelqu'un dire amen. Somebody say amen. L'homme passe avec colère. And then he passed. He was really mad. Il va en chambre. He went to the bedroom. Comme il n'y avait pas de douche à la maison. Because they didn't have the bathroom in the house. They have the bathroom. La femme prend de l'eau. She get. Elle va laisser dans les kikos. And put that for him. L'homme to take a shower. Elle prend le suie. And he put the towel. Elle laisse. And put it there. L'homme regarde. And the husband looked. Papa, que l'eau soit là. He said, husband, go take a shower. Ah, bien aimé, le combat spirituel, c'est l'orientation. Our brother, spiritual is orientation. C'est comme c'est moi, je vais parler de l'orientation. He said, like me, I'm going to talk about orientation. Ah, j'attends quelqu'un dire amen. And somebody say amen. L'homme va prendre le douche. And then he went to the shower. He came back. Ce sont les enfants qui le servaient. And cette femme, c'est la femme. His children were serving him, and that day was his wife. L'homme regarde. He looked. Dites. He said, get out. Dit, non, papa. He said, no, papa. Je vais te nourrir aujourd'hui. I want to feed you today. C'est la dernière fois. And he said, it will be your last time. Ils ont discuté avec l'homme. And they did try to mais discuss. Mais la femme était là. And she was comme there. Le pasteur avait dit. Because the pastor told her. Est-ce que les mamans sont ici avec moi? There's a mother here. Maintenant. Now. Ils ont fini. And when everything was done. Ils sont allés ensemble. They went in the bedroom. Deuxième jour. The second day, l'homme revient. And the man came back. Le pasteur a appelé maman. Est-ce que tu as fait ce que je t'ai dit? And the pastor called him. Oui, maman. Aujourd'hui, monte encore les niveaux. He said, do more today. L'homme arrive. And the husband la came back. Femme monte les niveaux d'amour. And then the wife did more than what she did yesterday. Le troisième jour. The third day. L'homme dit cette femme. The, that man said, this woman. Tu vas avoir déjà un homme. So when you have a man. Parce que comment moi because I'm doing really bad to her. C'est que, comme cet homme connaît, because that man knows. Moi j'arrive à des heures, because I come at 2 o'clock. Il est déjà avec cet homme, he is already with those. Zéro, everything at midnight he left. Au
aujourd'hui. Today. 0 heures. I will come at midnight. De 2 heures à. From 2 o'clock to midnight. J'attends quelqu'un dire amen. Somebody say amen. Il arrive à la maison. And when he got home, femme monte encore la dose. And she gave even more love. Il s'est même pas possible. He said, it's not possible. Cette femme est intelligente. This woman is very smart. C'est que cet homme sort entre 20h et 22h. That man get up at like 8 p.m. or. Et tout, la femme est heureuse. And la femme est heureuse. Happy. She was very happy. Il arrive à 22h. And he came back at 10 p.m. Directement en chambre. He went straight to the bedroom. Regarde en dessous de lui. He took under the bed. Il regarde dans les garde-robes. He went everywhere in the closet. Non, non, tu cherches quoi, papa, tu cherches quoi? And the wife asked, what? Non, non, je sais. He said, well, I know what I'm looking for. Les habits se trouvent chez la deuxième femme. When he took your clothes. Et je sais ce que je cherche. And he said, I know what I'm looking for. Je te dis vrai. I'm telling you. Troisième fois. The third time. Il me dit que cet homme sort à 18h. And he said, I think that man gave at 6 p.m. Il quitte de 2h à 18h. Mais là, l'intention c'est laquelle? D'attraper l'homme qui rend la femme. And he was a 6 il arrive à 18h. He went straight il to the bedroom. Il fouille. He checked everywhere. Rien. Nothing. Et ça va. He said, okay. Ce n'est pas un problème. It's not a problem. Il travaillait à Ophila. He was working in Ophila. Terminé le travail à 16h. They were finishing at 4 p.m. La femme avait beau parler. And the wife did talk. Et la dernière fois, il dit aujourd'hui, dès que je termine à 16h. And he said that today when I finish at 4 p.m. 7h. From 4:30 to 5 p.m. I'm gonna be home. Vite il rentre. He came quickly. Il entre en chambre. He went to the bedroom. Toujours, oh, mon mari, and the wife was oh, mon mari. Her husband. De 2h à 17h. From 2 o'clock to 5 p.m. J'attends quelqu'un dire amen. Somebody say amen. Et le soir, l'homme va maintenant asseoir sa femme. And then that evening. Je te dis, au nom de Dieu, I'm telling you the name of je God. Sais que je suis adultère. I know that I'm an adultery man. Mais je te pardonne déjà. But I've already forgiven you. Je sais que c'est moi qui t'ai fait trop du mal. I know that I'm the one who harmed you. Dis-moi seulement l'homme qui vient. Mais je te pardonne déjà d'avance. And I already forgive you. La femme dit, tu parles de quoi? Rina, ne fais pas semblant, maman, je te pardonne. I already forgive you. Quel est le problème? What is the problem? Comme dit non. She said no. Je commis la vie. I know I did a lot of bad things to you. Il s'appelle comment? What is his name? La femme dit qui? He said who? L'homme qui vient là. And he said that man who comes here. Où? Quand tu étais monté fâché, comment cette femme tu étais devenue heureuse? You were winning mad, but now you winning. La femme dit ah, c'est à cause de ça. And the wife said oh non papa. Oh no. Mon pasteur. My pastor. Ma enseignante. Who teach me? Il m'a dit, he told me, je dois t'aimer. I have to love you. Quand tu me fais du mal, when you do bad things, moi je te respecte. I have to respect. Moi je t'obéis. I have to obey. Moi je t'aime. I love je n'ai pas un mari. I don't have a il n'y a que ton mari. You are the only one who's my husband. L'homme dit, je vais voir ton pasteur. And that man, they went and see the pastor. L'homme a dit au pasteur, that man told the pastor, voici ce qui s'était passé. Look what happened. Le pasteur rit. The pastor was il dit oui, c'est moi qui lui ai dit. He said, yeah, I'm the one who told him. L'homme sage. And he got him on his knees. Prie pour moi, pasteur. He said, pray for me. Depuis ce jour-là, from that day, il s'est repenti. Yeah. Depuis ce jour-là, il s'est repenti. Et si vous allez dans la commune de Makala aujourd'hui, c'est un nom de Dieu. On ne peut pas combattre les diables avec les armes humaines. Un homme spirituel qui connaît les problèmes spirituels, qui est lui aussi spirituel pour attaquer les esprits. La Bible dit l'homme de Galilée, Jésus-Christ, le roi des rois, le tout-puissant, l'agneau de Dieu, vit mon colo, à Thomas mon Gali, Yann Abita, Elohim, El Adonai, celui qui sort de l'éternel et le vin, celui qui connaît la vérité, celui qui est Dieu. C'est lui qui n'a fait les choses de la terre. C'est lui qui ne parle pas. Il ne se pas. Son
tu n'es pas sur la charge, il voit bien ta vie. Il connaît que tu es tout à fait le bien. Il te connaît. Il me connaît. Il nous connaît. Le silence de Dieu n'est pas son présence. J'attends quelqu'un dire amen. Jésus avait pris la décision de passer sur cette route. Là où tout le monde fuyait, Jésus est passé par là. Après la prière d'aujourd'hui, ceux qui ne pouvaient pas t'embrasser, ils vont t'embrasser. Ceux qui ne te cherchaient pas, ils vont te chercher. Ceux qui t'ont haï, ils vont t'aimer. Ceux qui t'ont rejeté, te cherchera. Car l'agneau de Dieu changera l'histoire de ta vie. Jésus est passé par là. Et quand Jésus passe, la Bible dit, the Bible said, l'aigle qui passe, those eagles who pass, dans les airs, and the prayer, les traces ne restent pas. There's no way for you to quand see where it passed pas, by. Passe sur la pierre, but when the snake passes, les traces ne restent pas. They always see where he passed by. Mais quand l'homme de Galilée passe, when the man of God, quand le roi des rois passe, when the king of kings, dans la vie d'une personne, les traces restent. Les traces restent. Quand il passe par la maladie, les traces de la guérison restent. Quand il passe là où il y avait la mort, les traces de la vie restent. Quand il passe là où il y avait l'extérité, les traces de la mort, il y avait le célibat, les traces du mariage restent. Je suis en train de demander Dieu, il passe ce soir par toi, il passe ce soir par toi, et que les traces restent. Aujourd'hui, elle a les enfants. And she had children today. There was some time. Même si tu ne veux pas témoigner. Even you don't have to testify. Grâce des miracles de Dieu. All those miracles happen. Grâce est même témoin. And they will testify. J'attends quelqu'un dire amen. Can somebody say amen? Tu ne mettais pas au monde. You were childless. Quand tu passais. When you were passing by, they were looking at you. They know that you cannot have children. Mais quand tu seras grosse, when you're going to be pregnant, tu ne parleras pas. You will not say nothing. Tu seras seulement en train de passer. You will just pass by. Comme les ventres ne retournent pas. Because le rap des ventres des femmes. Quand tu es en train de passer, la grossesse est en train de crier. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est l'agneau de Dieu. Il est le tout puissant. Il est le créateur de choses à la terre. Je vois les traces qui vont se passer. I'm seeing all those traces. Tu donneras à quelqu'un l'invitation. You will give somebody invitation. Je regarde, c'est pour ta sœur. And you will say that. Non, ce n'est pas pour ma sœur. No, it's not for my sister. C'est pour moi. It was for myself. Pour toi. For you. Pourquoi? Why? Jésus. Because Jesus est passé. Pass by. Par moi, to me. Les traces du mariage restent. Je t'invite, tu viendras à mon mariage. Laissez-moi vous dire, let me tell you, quand Jésus passe, when Jesus passed, les traces restent. They always keep traces. Il y a une personne délivrée. And somebody is delivered. Les limites sont. No more limit. Tu viendras loin. You will go forward. Je dis à quelqu'un, tu iras loin. I'm telling somebody to go forward. Je dis à quelqu'un, tu iras loin. I'm telling somebody to Jésus passe. When Jesus passed, all those demons, il fils de and the il fils de ta vie. And oh my God, qui a-t-il entre toi et moi? And they say, who are you between me? La délivrance commence. The deliverance begins. Sors de ce corps. And then get out from that. Sors de ce corps. Say, get out from that bad. No, pardon. He said, forgive me. Mais ne chasse pas. Don't. Envoie-nous dans le poisson. Please send me over there. Les démons sont sortis. And they get out. Ils sont allés dans le and they went over there. C'est comme ça qu'ils disent l'évangéliste. That's what does evangelist. If you're going to the poor. Mais après avoir été rempli par les démons. But after they were full of demons. Les poor ont fini les courses dans l'eau. All those poor went to the water. Le dernier lieu où les démons sont allés, c'est où? The last place the demon went is. Mais ils boivent de l'eau. They went to water, but we drink water. That's why I love to eat pork. Je suivrai les démons jusque dans la viande du pauvre. I will follow the demons. Je bois beaucoup d'eau. Je les suivrai jusque dans l'eau. I will follow them. J'avais l'erreur que les démons avaient commis. You know what the mistake they made? Après avoir entré.
rentrer dans les bords, when they went to the bar, au lieu d'aller dans la forêt, instead of going to the ils forest, sont allés dans l'eau. They went to water. Or la Bible dit, the l'eau, c'est la parole. L'eau, c'est Jésus. Les démons, ils ont vu Jésus, ils sont allés dans la parole. Or là où il y a la parole, les démons s'agenouilleront. Ils demanderont que Jésus est Seigneur. Voyez ici. Recommandate. L'obanago. La lobisolote. Opesinabana. Asana domoye. Akobe gayo. Mamma passa. Voyez ici. Recommandate. L'obanago. La lobisolote. En Europe, en Amérique,
mon père ou ma mère, mon frère ou ma soeur, mon mari ou ma femme, l'enfant, tout celui qui peut le commander ma vie, qui me désoriente, je lève ma main, je lève ma main, les conseils au nom de Jésus. Tout ce qui peut recommander ma santé, de l'heure ou de près, je lève ma main. Que le ciel souffre contre lui. Que le ciel souffre contre lui. Tout c'est lui qui a planté quelque chose dans ma vie. Par ses paroles, par ses déclarations. Qu'ils sont hommes ou femmes, je lève ma main. Aujourd'hui, 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 je me déconnecte. Je me déconnecte de tout sacral, familial, satanique qui contrôlait ma vie par le sang, au moyen du nom qu'on m'a donné. Je lève ma main, je sors de leur prison, je sors de leur condamnation, je sors de leur plan, je sors de leur parole, je sors ma vie, je sors ma santé, de tout contrôle, de la maladie, démoniaque, de l'infirmité. Démoniaque de la honte, démoniaque de la stérilité, satanique. Du nom du Seigneur Jésus, je me lève contre toute personne qui te recommande mon mariage, qu'il soit homme ou femme, aujourd'hui. Je sors de son contrôle. Je sors de son contrôle. Je sors mon mari de ce contrôle. Je sors ma femme de ce contrôle. Tout celui qui contrôlait mes enfants. Je lève ma main. Au nom de Jésus. Je déconnecte mes enfants. Je déconnecte mes enfants. Et toute alliance de famille. Des maisons, de la maison de mon père, de la maison de ma mère, au nom de Jésus, je sors. You know your problem. Ouvre ta bouche. Open your mouth. Premier sujet de prière. The first one to pray. Tu vas dire à Dieu. You're gonna tell God. Je crois à la délivrance. I believe to deliverance. Et tu vas prendre 2 minutes. And you're gonna take 2 minutes. Premier sujet de prière. The first subject. Enfant de Dieu, suivez maintenant l'orientation. Listen now, child of God, please listen orientation. Ne suivez pas les douleurs. Don't follow those hurts. Elles vont disparaître. They will get away. Maintenant, sois concentré. You have to be really focused. Fais le fort que tes pensées viennent ici. Please try really hard to put all your mind together. Ne pense pas aux paroles que cet homme avait sorties. Don't think what that man said. Maintenant, pense à la victoire de la croix. Now think about your victory. Car ta vie change maintenant. Because your life will change now. Commencez à croire du fond de vos cœurs. Okay, start. Je te laisse 2 minutes. I'm giving you 2 minutes. En levant ta main. When you lift your tu veux hand, dire, Seigneur, je crois ton pouvoir, je crois ta puissance. C'est toi qui es le créateur. Les sorciers, ce sont des créatures. Personne, ce sont des créatures. Prions au nom de Jésus. Je sais que tu as toute la puissance, Jésus. Parle, 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 parle. Ouvre ta bouche, déclare, déclare. Accepte que Dieu est capable. Il est au-dessus de tout pouvoir. La famille t'a fait lier. Papa Boniface, ne ferme pas tes yeux. Papa Boniface, don't close.
Parce qu'il y a un travail maintenant. Il y a un travail fort. Papa, Papa Robert, tout cela fort. Ne sois pas distrait, Papa Robert. Nous avons affaire à un démon coriace dans ce corps. Ne regarde pas celui qui est à ta gauche, celui qui est à ta droite. Ça, c'est un homme de nuit. Approchez la d'ici. On voulait qu'elle soit une reine dans le monde des ténèbres. Maintenant, il y a le feu qui est en train de brûler ses pieds. Voilà. Voilà. Là, c'est le feu. Ça, c'est le feu. Ça, c'est le feu. Ça, c'est le feu. Et ça, c'est une puissance démoniaque sorcellerique. On voulait détruire sa vie. Et Jésus est venu pour te libérer. Regardez maintenant ses pieds. Regardez, ouvrez les yeux, regardez ce qu'elle est en train de faire. Ça, maintenant, ce sont les esprits. Parce qu'on voulait qu'elle puisse s'asseoir sur le règne du monde des ténèbres. Aujourd'hui, Jésus est venu pour la libérer. Dirigeons nos mains vers elle, dirigeons nos mains. Que Jésus la libère, prions au nom de Jésus. Alléluia. On te jope là dans l'autre, on a été d'une façon terrible. Et ça, c'était nos cultistes qui avaient détruit sa vie. Tu seras libéré ce soir. Jésus te libère. Et prenez le feu qui était sur elle. Akati même ma papa naïe. Akati même ma papa. Akati même ma papa naïe. Voilà pourquoi les gens comme ça ont des problèmes dans leur couple. Quand tu vas commencer à venir en ce lieu chaque mardi, chaque jeudi, et chaque dimanche à partir de 18h, tu auras ta délivrance au nom de Jésus. Approche. Au nom de Jésus, reçois ta délivrance. Laisse-la maintenant. Levons nos mains. C'est une forte puissance de Dieu. Reçois la vie, le Seigneur te libère. Le Seigneur te libère. Le Seigneur libère ta vie. Le Seigneur a libéré 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 ta vie sur toi. Il y a une opération spirituelle sur toi. Reçois la vie. 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 Le Seigneur est en train de te guérir. Laisse-la à sa vie. Laisse sa vie. Laisse. Au nom de Jésus. Ça y est là, papa. Ça y est là. Venez avec elle. Venez avec elle. Venez avec elle. Le Seigneur est en train de toucher. Amen. Merci Seigneur. Merci pour la restauration de ta vie. Au nom de Jésus. Que Dieu console ton cœur. Que le Seigneur console ton cœur. Il y a une scène de ses côtés droits. Là, je lève ma main. Là où tu es. Sois touché maintenant par la puissance de Dieu. Sois touché maintenant par la puissance de Dieu. Sois touché! Au nom de Jésus! Elle ne s'est pas encore mariée. Oh, on a pris son mariage. On a pris son mariage. Elle l'avait dit même ensemble. Il y a une autre jeune soeur. Maman Micheline, sois concentrée, j'insiste. Maman Micheline, sois concentrée. Maman Micheline, ferme tes yeux, ne me regarde pas. Tu es venu de loin pour ta vie. Au nom de Jésus! Amenez-moi cette jeune femme. Venez avec elle. Sois fort, tu seras. Lève-toi, 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 lève-toi. Lève-toi. Elle avait une vie en songe. On avait récupéré son mariage. Lève-toi nos mains vers elle. Prions que Jésus lui retourne le mariage. Prions que Jésus lui retourne. Dans le nom de Jésus. Pour celui qui a volé ton mariage, il soit condamné maintenant. Sors de ce mariage de nuit. Lance-toi. Le Seigneur est en train de me montrer. Je déclare, tu ne mourras pas. 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 Sors de ce secret. Tournez maintenant son regard vers moi. Ça, c'est un esprit de mort. Tu vas partir. You're gonna leave. Botongolai. Botongolai. Botongolai.
en train d'opérer des miracles. God is doing a miracle. Elle ne saura pas me regarder. Église, touchez-moi la main. Prions, déclarons qu'elle ne mourra pas. Elle ne mourra pas. Elle vivra. Déclarons-la de ce soir. Voilà. Son esprit est encore dans les tombeaux. Prions. Prions. Soutenons-la dans la prière. Somos los hombres de la tierra, el libro de todos los que paina y el coche paina yo. Te declaré que a mí me la cacha tomo, prío. Aproxé la misa. Por nombre de Jesús. Je redonne ton âme. Et sortir de ce tombeau. Sors de ce tombeau. Tu ne mourras pas. Au nom de Jésus. Laissez-la, papa. Je te donne au nom de Jésus. Sors de ce tombeau. Jésus a vécu la mort. Tu ne mourras pas selon la volonté des hommes. Tu mourras rassasié les jours. Tu ne partiras pas avant le temps que le Seigneur a prévu pour toi. Pour celui qui cherchait ta mort, il est condamné. La Bible dit, ils mangeront leur propre chair, ils boiront de leur propre sang. Église, nous sommes dans ma boca, déclarons la vie, prions en Jésus. Alléluia. Récupère ce qu'on t'a fait voler. Au nom de Jésus.
Jésus. Au nom de Jésus. Que le Seigneur pour que tu viennes tout allié. Que libère aujourd'hui. Que libère aujourd'hui. Que libère aujourd'hui. Oui, non, ça m'a libéré. Forcément, ça va pour tu. Oh, bah là, tu sais qu'à vivre d'ailleurs. Oh, bah là, tu sais qu'il bon. Nous sommes au Père du soir. Oui, à peine des soirs. Qui suit le Père du soir? Est-ce que vous pouvez vous lever? Vous qui suivez le Père du soir? La radio Père du soir. Est-ce que l'Église va pouvoir acclamer pour Jésus? Père du soir. Père du soir. Père du soir. Père du soir. Oh, voilà. Vous êtes bénis par cette radio? Are you blessed from that radio? Vous êtes bénis par cette radio? Et des fois, quand je prêche, je dis en direct des États-Unis. And sometimes when I preach, I say live from Arkansas. Mais quand je dis les grandes antennes de la radio, télévision, Père du soir, c'est votre pasteur Jean Bosco qui joue donc le mari de la maman P.R. Et maintenant c'est en live. Now it's live, yes. J'entends quelqu'un dire fort amen. Amen. Ici, nous nous réunissons chaque mardi, chaque jeudi et chaque dimanche. We meet here every Thursday, Tuesday and Sunday. De 18h à 20h30. From 6 p.m. to 8 p.m. Et là, nous avons pris plus de 30 minutes. And today we went over 30 minutes. Parce que je devais prier. Because I have to pray for you. Nous sommes un ministère. We're ministry of word et de la délivrance. And deliverance. Ceux qui ne suivent pas la radio Père du soir. Those who listen to the radio Père du soir. Prenez seulement vos billes que je vais vous orienter. Just get a pen and piece of paper. I'm gonna give you. Vous écrivez www. Just write www. Da. Yeah. Da. Da means point. Point. Il faut m'expliquer. Vous n'allez pas laisser votre pasteur comme ça. Moi, je croyais qu'elle allait dire Dada. Vous voyez? www. Point. Pain du soir. Pain du soir. Just the way you hear pain du soir. Pain du soir. P-A-I-N-D-I-S-O-I-R. P-A-I-N-D-I-S-O-I-R. Pain du soir. Point. Da. www.pendusoir.com. Si vous entrez là-bas, vous verrez, ça va s'afficher. Il y a plusieurs rubriques. Prenez là où c'est écrit Lingala 1. Just why when he said Lingala 1. C'est la radio en direct. That the live radio. Il y a l'évangéliste Bessé avec qui nous prêchons sur la délivrance. Il y a le pasteur Malachi Turbo qui passe. The pastor Malachi. Il y a le pasteur Roland Dallo qui passe. And there's a pastor Roland. Nous sommes plus de 200 pasteurs. It's like 200 pastors qui passons sur cette radio. That will go through. Il y a le pasteur Marcelo Tonassi qui passe. And there's a pastor Marcelo Tonassi. On oriente les gens dans la prière. We try to guide you to pray. Ce sont les genres de prières qu'on va commencer à avoir ici. Those are kind of prayer. We're gonna have that here live. J'entends quelqu'un dire amen. Somebody say amen. Nous sommes joignables même sur téléphone. We, you can even reach us from the phone. Mon numéro par exemple. And like my phone number. 1207. 1207. 8270. 1207. Je connais l'anglais. 1 2 2 0 7 2 0 7. You must put 1 pour donner à vos frères en Europe. En Europe, yeah, they have. Maman, suis ce que je dis. Okay. Toi, interprète tout ce que je dis. Okay. Just say what I'm saying. Yeah. Yes. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous appellent de l'Europe. Si tu dis 207, there are some people who come from Europe. If you don't tell them to put one, they won't be en Afrique, ils doivent mettre un. Even from Africa, they have to put one first. Ce n'est pas seulement pour vous. It's not just for you. Communiquez aussi à vos frères. Just, you know, give an offering to your brother and sister. 1207. 1207. 766. 766. 82. 82. 70.
7-0. Là, j'ai donné rapidement parce que c'est en français. Là, I give that to on peut vous orienter par rapport à la Kirda. And we help you. Et je reçois ici. And I receive people here. Chaque mardi. Every Tuesday. Chaque jeudi. Every Thursday. Chaque samedi. Every Saturday. Mais il faut passer par Papa Boniface. You have to see Papa Boniface. Papa Boniface, c'est lui qui devrait me donner le communiqué aujourd'hui. He's the one who's supposed to give me the announcement. Si vous le voyez. If you see him. Il gère mon agenda. He's the one who takes care of everything. Pour vous recevoir. To receive you. J'entends quelqu'un dire amen. And somebody say amen. Vous parlez avec lui pour que je reçoive les gens en ordre. Always his number, so I can see people in order. Alors ici, nous sommes installés il y a un mois et demi. Et aujourd'hui, nous complétons deux mois. Today is a 2 months. J'entends quelqu'un dire amen. Can somebody say amen? C'est ici que nous venons apprendre. It's here we come to learn. Mais nous sommes aussi à Austin. And we are in Austin too. Et bientôt, on va vous donner l'adresse. And soon we will give you the address. Et nous irons dans notre grande ville de Texas. And we will go to other city in Texas. Nous sommes capables d'organiser des prières ensemble avec vous. We are able to do all prayer with you guys. Acclamons pour le Seigneur. And clap our hands for Jesus. Que Dieu bénisse ceux qui sont venus pour la première fois. Let vous faites Dieu rayer les êtres de Christ. Le Seigneur vous bénisse. Californie. Californie. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Amen, 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 amen. Garde le Messie. Salut les gens de Maine. Amen, amen, amen. Salut les gens de Maine. Florida. Pourquoi vous n'êtes pas gentil d'acclamer pour Jésus? Garde le Messie. Avant de les faire. Las Vegas, take five also, yeah, Las Vegas, on va faire un pouce dessus, t'as le dessus, maman c'est dit, ça c'est maman c'est dit, venez un peu tout si, maman, maman l'a pas dit bien. God bless you. Welcome. Mais il faut pas fuir. Je m'appelle Serge Ndondolai. J'habite la Californie à San Diego précisément. C'était une invitation spéciale de ma petite soeur Chantal qui a fait l'interprétariat. Je ne m'attendais pas à retrouver cette ambiance. C'était vraiment la bonne ambiance. Et j'ai hâte de revenir, comme le pasteur a dit. Donc vous me reverrez encore ici. Pour le témoignage. Que Dieu soit loué. Merci encore pour l'organisation. C'est un grand plaisir parce que j'ai toujours suivi les images, les reportages de John Image. Et quand le pasteur a annoncé John Image, j'ai dit en fait, en fin de compte, je me retrouve avec la personne énigmatique. Donc le champion de qui a l'avance sur la technologie, sur le son et sur l'image. Et John, merci encore une fois pour tout ce que tu es en train d'entreprendre. Et puis, que Dieu soit loué pour votre présence encore ici présent. Et nous savons que ça fera l'étendard. Et tout sera informé de ce qui se passe ici. Encore une fois, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Bon, là, vraiment, ça fait pratiquement 2 mois. Nazawa, dans l'église. Parce que je peux dire que tout ça, c'est le bonsoir. Donc, vraiment, on a sépile, on a cassé, on a culte. De temps en temps, vraiment, les gars bien. Donc, on a conseillé, on a tout belé. Il y a vraiment, massivement, il y a quoi assister. Parce que les gens, ils ont comme beaucoup. Ils ont vraiment ils ont le cas ils ont nulle part ailleurs donc on va se rabattre pour assister vraiment et côté rabattre clôture ça dit ils ont frappé là en tout cas ils ont matière vraiment frappé là ma casse ils frappent là ça dit ils ont balibo sauté ils ont beaucoup de femmes mais l'eau donc vraiment passé à côté vraiment la profondeur donc on a sépilé là vraiment matière vraiment à côté la profondeur à teinga vraiment donc c'est comme si on dirait dans un vraiment concerné. En matière, oui, où tu étais allé. Donc, on a aussi un bateau bilé. Il y a massivement, il y a quoi assister. Hello, my name is Milka Ekanga, and I'm from Austin, and I came to praise and worship the Lord. Hola, me llamo Milka, y soy de Austin, y vine para el Señor Dios. Sí, tengo un mensaje para decirles a todos que tienen que escuchar a Pendy Suárez porque de verdad lo va a curar mucho y es milagros en su vida y es Dios hablando por ustedes. Prière est tellement qui toque.
moya kolobela ngo ezate tozo invite ka bato ba continue ko ya ba oyo ba komona biso na YouTube nga mama Magi naza ya ya bandeko naza mama ya bana na yaki awa na esengo nyonso pase jibeka ya awa na Dallas kaka pona ngai mama Magi na prière elle est très bien vraiment de ce pelina ba miracle na ba prodige onza masali na cha église zala ki séminaire bana ki vendredi to clôturer séminaire ngo lelo vraiment tokunisi ka nzambe na ndenge eleki vama eleki kitoko nazala na Texas na nazala na Austin na capitale ya Austin ya Texas na je crois à 3 heures quelques minutes d'ici donc na yaka kipoka na na ya programme ya prière koyoka mateya ya fin de soir vraiment ils ont vraiment important ba ba yebi angote ba télécharger ngona ba téléphone na bango ba tsana na ba téléphone bazala na ngo vraiment ils ont vraiment important en tout cas merci beaucoup eki makasi tozinyo sotu ya bien otoya toyaki koluka ndamba sali ngolu asali grâce tozima pa moli ya koleka ba oyo ba raté ndamba pesa bango ya koleka prochainement bon en tout cas to sepeli ya trop biso toza pein du soir to sepeli ya trop pein du soir à Dallas prière eleki nango bien kitoko ma pa moli ya plus penza to sepeli makasi toza sur peine soir à Dallas et kola ezo kola du jour au jour do bat ba oya danser ba délivrance ezo salema ba prière à makasi do satan za penza na loko lisuta o sala na bat vraiment merci tozo remercier peine soir ya trop papa Crispin merci ya trop papa Jibeka ba papa Charles to miss bino talaka er mo boya pe mettre la biso ba moi ba tour à la Dallas tozo la posa na bino ba papa Simeon talaka papa tozo elibina trop boye te mais province ate tozo ne likia en tout cas décembre bo zanga te to se pela ya trop merci peine soir merci ya trop mo sala bo sala vraiment les am sala mo ma kasi nzambe apambola bino abaksa bino koleka obozo.